Frères et sœurs, vous entendez? Recevez nos sincères salutations, même si nous ne sommes pas les occupants de cette église, mais pour l'heure, nous sommes vos agents pastoraux. Alors, nous sommes rassemblés ici à la demande et au vœu de notre frère Charles, qui a voulu que nous venions avec lui rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits depuis ces années. Priez aussi pour tous ses parents et amis de feu, et surtout confiez la Côte d'Ivoire au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes donc là avec vos frères prêtres qui officient en Belgique. Le président de la célébration, c'est le père Blue Jean-Pierre, il est prêtre de Dallois. Celui qui va prêcher, c'est le père Diezo Simplice, il est prêtre de Mans. Et puis, à côté, nous avons le père Simon et André, père Simon Coquemel de Yopougon, André Amani de Yopougon aussi, le père
frère Ludovic, un ancien fisciste qui est du Grand Bassam, et puis moi-même, Anderson, issu de Yuboumon. Voilà, donc merci pour votre présence et que le Seigneur agrée cette célébration. Merci. Le cœur, c'est nos genoux, frères des Ivoiriens qui vivent à Lille. Voilà. Alors nous allons nous tenir debout et ensemble unir nos voix, unir nos cœurs pour faire monter nos supplications et nos prières vers ce Dieu Père qui est plein de miséricorde et de bonté pour chacun de nous, ses enfants. Nous lui demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas su aimer. Nous demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas su écouter sa parole d'amour et de paix pour nous-mêmes, nos frères. Et nous lui demandons pardon de peut-être nous manque d'action, et nos actions aussi, quelquefois, qui ne répondaient pas à son amour.
Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés ses fils, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits de ce monde. Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent vivre heureux et te louer pour l'amour que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est pas ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me retracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils. 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de vie. Parole du Seigneur. Décision.
toutes choses est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. L'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père.
personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. À moi, l'honneur revient de prendre la parole en ce jour pour essayer de méditer sur les textes que nous avons entendus. Avant tout propos, j'aimerais vivre un peu ou bien raconter un peu ce que j'ai vécu lorsque le mercredi soir, Père Anderson m'a appelé pour dire que voilà, grand frère, c'est toi qui vas aller prêcher. Je dis, mais je vais dire quoi? Je dis, voilà quelqu'un qui mange la tête de la panthère qui veut me confier là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah, le micro est avec moi. J'ai lu, j'ai médité, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais parler devant le ministre des Charges, un homme de la parole. Parler devant des illustres personnalités, qu'est-ce que je vais dire? Finalement, je ne sais pas moi qui vais parler. On va laisser les textes parler. Et monsieur le ministre, chers frères, parlons des textes. Ces textes que nous venons d'entendre nous invitent à la prière. Nous invite à la méditation en ce jour. Vous êtes retrouvés ici en rejoignant notre cher président pour affronter la justice internationale et vous avez été acquitté. Et beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'hommes comme moi se demandent pourquoi vous êtes encore ici alors que votre place est de l'autre côté. Chez nous là-bas, au pays. Et pour rire, je disais avec un ami, en Europe, on dit les gens qui n'ont pas de papier, on les prend de la patrie. Les jeunes qui viennent se chercher, on dit de rentrer forcément. Mais ceux qui sont là, qui veulent rentrer, n'ont pas besoin de rester. C'est bizarre, non? Alors pourquoi ne pas rapatrier nos frères qui veulent rentrer? Alors, chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons entendu nous a dit qu'il y a 72 personnes, bon, ils sont 72, pour revenir chez nous, envoyées en mission. Et quand ils revenaient, ils sont remplis de joie, parce qu'ils ont fait l'expérience de la puissance du nom du Christ contre le mal. Et le plus important, leur dit Jésus, soyez heureux, réjouissez-vous. Ce n'est pas parce que les démons sont soumis à vous, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et j'allais dire à mon frère, nous qui sommes là, à vous qui luttez pour la justice, réjouissez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent vous voir, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit du côté de la justice, du bon côté de l'histoire.
Et Jésus leur dit qu'ils n'ont pas à se vanter, comme s'ils étaient eux-mêmes les protagonistes de leur réussite. Le pape François nous dit qu'il n'y a qu'un seul protagoniste, c'est le Seigneur. C'est lui qui est au début, au milieu et à la fin de toutes choses. C'est lui qui conduit nos vies et c'est lui qui vous porte. J'ai l'impression de bavarder assez trop. Et je me rappelle ce que disait notre cher Saint Gombaninga, Père son âme. Ce qui est court, on ne vend pas ce qui est court. Donc on va aller droit au but en disant pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour prier, rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles dans notre vie, dans votre vie, pour prier pour que la paix revienne chez nous. Oui, chers frères et sœurs, la place du croyant, et c'est pourquoi nous sommes là, se trouve parmi ceux qui disent non, non à l'injustice, non à l'imposture. Ne prenons donc pas à l'illusion et en rond. Nous sommes là ce matin pour manifester au ministre Charles Bégoudé notre sympathie, notre amitié. Nous sommes venus lui dire que nous avons souffert avec lui, tout le peuple ivoirien aussi, pendant tout ce qu'il a vécu au Ghana, à la DST. Nous avons été choqués. Parce que je l'ai dit tantôt, libéré, acquitté, mais encore ici. Mais comment dès lors ne pas dire un mot sur le livre de Job qui nous interpelle? Nous avons entendu quelques versets dans la première lecture, et plus précisément sur les autres de ce livre. Nous avons connu sa vie, vous savez qui il est, vous avez sans doute lu le livre de Job. Un riche propriétaire à qui tout réussissait jusqu'à ce que Satan vienne à lui et qu'il perde tout. L'histoire de Job est longue, mais rappelons tout simplement que Dieu permet à Satan de l'éprouver. Job va vivre tant de malheurs, il va tout perdre, ses enfants meurent. Ses maisons sont détruites, ses troupeaux décimés. Oui, Job, c'est l'homme qui a traversé l'épreuve, une épreuve que l'on ne souhaite à personne. Mais il a traversé. Il en est sorti fortifié, mais peut-être même pas brisé. Comme Job, monsieur le ministre, vous avez connu l'épreuve, une lourde épreuve, souffrance corporelle et morale. Décès de vos proches et parents sans que vous ayez eu l'autorisation d'être présent pour leur rendre hommage. Mais nous avons constaté que vous êtes restés sortis, affinés, enrichis par tant d'épreuves. Vos différentes interventions l'attestent. Et nous sommes ici ce matin, comme disent les web. L'homme se rend là où se trouve l'homme. Maintenant, j'allais dire, c'est parce que je peux dire dans l'anthropologie web ou dans la conception web de ce qu'on appelle l'homme mignon. Quand quelqu'un, on dit à un homme, à une fille, à quelqu'un, on est mignon, on est mignon, on est mignon. Ça dépasse le seul fait de la physionomie, de la morphologie de la personne. Et le fait de dire qu'il est homme, il est mignon, ça ne veut pas dire qu'il est riche. Non, cela fait appel à sa probité, à la justice, à son sens moral, à sa sociabilité. Celui qui aime l'homme, celui qui aime les autres, qui se donne, qui se sacrifie pour les autres, on dit qu'il est homme. On dit à d'autres, on s'est mignonné, il n'est pas homme. On se rend là où se trouve l'homme.
Oui, monsieur le ministre, nous sommes là parce que vous êtes homme, parce que vous êtes mignon. Vous êtes comme Job, qui a traversé l'épreuve et qui en sort fortifié. Et par là, vous êtes celui que l'on respecte, celui que l'on admire à raison de son courage. Le discours est une chose, mais la vérité de la vie à travers l'épreuve dont on sort transformé en est une autre. Nous avons des exemples dans l'histoire. Luther King, Martin Luther King. Nous avons Mahatma Gandhi. Nous avons vu comment ils ont bravé le racisme, le colonialisme par la non-violence, par le jeûne et la prière en parlant de Gandhi. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes là pour vous assurer et pour assurer à notre frère de notre prière, notre amitié, comme David, le petit berger, chers frères, l'écoutez. Allez avec la démocratie, comme fronde à la main. Allez avec la justice, allez avec l'homme que vous êtes. Et donc presque les mains nues, comme Goliath, le colosse de notre temps, que sont la brutalité, l'injustice et la haine. Foncez. Sachez que beaucoup vous font confiance. Et j'aimerais, avant de terminer, penser à cette mamie de chez moi, quand vous étiez en prison, qui a une façon particulière de vous appeler. Elle n'arrive pas à dire l'écouter. Elle dit, mon fils, voulez-vous. Elle dit, mon fils, voulez-vous, quand il va sortir de prison, je vais danser. Et elle confie à sa fille. Lorsque mon fils Blégondé viendra, abandonne-le, arrache-toi, brave les soldats pour aller toucher sa main. S'il arrivait après ma mort, prends sa main, soulève-la, dis que sa mère a prié pour lui. Et si je peux, amène-le sur ma tombe. Alors de ma tombe, je tressaillerai de joie. Combien sont ces personnes qui ne vous ont jamais vu, qui ne savent même pas parler français, mais qui comptent sur vous, vieilles, jeunes, adultes. Alors, fort de cela, je vous invite, nous vous invitons à foncer sans regarder en arrière. Notre prière et notre amitié vous accompagnent. Que Dieu vous garde et qu'il nous garde, qu'il garde notre prière.
par François, prions pour tous les fidèles, qu'en vertu de leur baptême et engagement religieux, ils participent davantage aux instances de responsabilité dans l'Église pour qu'ils soient sel et lumière dans leur vie quotidienne, dans le monde. Prions. Pour notre pays, Monseigneur Jacques Assembleau, la
travers nos chants de lui. Et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau guide qu'il nous donne. Et nous lui rendons grâce pour cette église de Côte d'Ivoire, cette année, à 125 ans. Donc, en action de grâce de tout cela, nous disons encore merci au Seigneur d'être venu dans notre existence, dans notre vie, dans notre pays, et de nous avoir rencontrés. Dieu, notre Père, nous avons fait monter vers toi nos supplications et nos prières, mais tu connais tout ce qui est dans le cœur, que toi-même tu suscites. Jésus nous a dit que tu nous écoutes toujours parce que tu es un Père aimant. Par cette confiance, nous croyons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Et nous te rendons grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Frères ensemble, frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du Père et du Vin, nous offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps, que ce sacrement du royaume a conduit, entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, dans n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean, l'évêque de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Blé Mirko Marcel, de Blé Poupé, de Blé Roger, de Blé Guédier Théodore. Souviens-toi de Nathalie. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives, de tous ceux qui meurent en ce jour, de toutes les victimes de cette pandémie, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement ta bonté sur ton serviteur, le ministre Charles de Goudet, qui en ce jour nous a fait appel pour qu'unissant nos voix tous ensemble, nous les élevions vers toi pour te rendre grâce pour toute la bonté à son égard. Nous implorons ta bonté pour toutes ces personnes qui sont venues de loin ou de près pour être de cette célébration. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, Monseigneur Jacques Assenvaux. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes qui, au passage, nous ont demandé de prier pour elles, pour tous ceux qui souffrent d'un mal quelconque et qui voudraient en être guéris. Seigneur, nous te prions pour ces personnes-là, les malades dans les hôpitaux comme ceux qui sont dans leur maison. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Donne ma paix, regarde par nos péchés, la foi immense de toi.
donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pardonnez la paix du Christ, mais chacun dans son cœur peut développer cette paix et en nous inclinant les uns vers les autres, saluer aujourd'hui à cette manière-là en nous donnant la paix. Pour la communion, vous savez qu'il se passe tout le monde qui est appelé à communier. Alors, ceux qui ont l'habitude de communier, vous voulez communier. Maintenant, disposition tactique, on commence par arranger surtout le ministre. Vous venez, vous allez là où il y a l'hygiaphone, là, et puis vous repartez par là. Quand ils ont fini, ceux d'ici viennent. Voilà, merci.
Alors, nous allons maintenant exécuter un chant d'action de grâce et je voudrais que vous fassiez attention aux paroles qui vont être prononcées. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau, mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vibrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton nom. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Prions le Seigneur. Le pain que tu nous as donné, Seigneur, est le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Le pain qui peut faire l'unité de tous, qui nous aide à jubiler les forces de la haine pour ne plus employer que celle de l'amour et de la justice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, avant de donner la parole à notre général, je voulais juste remarquer que beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas communié. Je parie que c'est une histoire de matrimoniale. Alors je vous invite, car tout le travail en Belgique, on n'a pas de travail, on chôme, on aimerait bien vous préparer pour faire vos mariages. N'hésitez pas à vous venir à une belle chorale qui est là, allez son groupe, vous pouvez. Oui, vous venez d'annuler vos mariages. Allez, merci bien. Merci. Et puis, je voudrais aussi rappeler au général que lors de notre dernière visite en groupe, il avait dit qu'il allait faire le pas à l'église. On suppose que s'il n'a pas encore fait, c'est parce qu'il est confiné ici. Quoi. Alors, donc, général, monsieur le ministre, tu nous as invité, il faut bien que tu nous dises quelque chose.
Merci à tous ceux qui ont participé à rendre possible ce moment. Ce moment auquel je tiens tant. Ce moment auquel je tenais tant. Parce que, voyez-vous, humains que nous sommes, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans la difficulté, nous crions au Seigneur. Nous promettons tout. Nous sommes les enfants de Jésus. Quand nous sortons de là, que nous nous retrouvons dans notre monde, très vite, nous tombons dans l'oubli et nous rangeons au grand grec la promesse que nous avons faite. Je n'ai pas voulu inscrire mon sur cette liste-là. C'est pourquoi. Depuis bientôt un an et demi que, grâce à Dieu, l'Angabou et moi nous sommes sortis des prisons. J'ai voulu réaliser et tenir cette promesse que j'ai faite tout le temps que j'étais en prison à la DST, 14 mois durant, sans une seule visite, où tout était réuni pour que physiquement, moralement, politiquement, on parle de mon passé. Et j'étais aux mains. Ce que moi je considérais comme mes adversaires politiques, élégamment parlant, et ceux qui me considéraient eux comme ennemis. Je ne sais pas comment je suis sorti de là. Et comment déporté ici à la haine, dans un voyage qu'on dit être un voyage sans retour. Là où j'ai été avec le président Gbagbo, alors, je disais à Mekou, avec qui j'ai changé, Mekou, c'est le président de Mekou, ici, en Hollande, avec les résidents à la haine. Je dis, mais les gens ne savent pas où on est. Parce que j'attends les gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et il y en a qui traitent même donc, des tensions, le président Gbagbo et moi, des petites prisons. Et pas des petites prisons. Quand on n'a jamais perdu de liberté, même 30 minutes au commissariat, je ne sais pas ce qu'on appelle. Surtout quand tu es loin de ton village, de ton département, de ton pays, de ton continent, que tout ce que tu dois faire ne dépend plus de toi, mais de quelqu'un, même boire, demander la permission. C'est ça qui est la prison. Mais quelle prison? Là où on va, on dit, on ne revient jamais. C'est comme si le président Gbagbo et moi avait été malade et on nous amène dans. Nous hospitalise et on dit que ça c'est des boulots malades. Quand on les met là, à 90% humain. Tu viens le matin, tu pars, quand tu reviens, on te dit tu as vu. Son voisin que tu as vu hier, il est mort hier. Quand tu reviens deux jours après, on te dit tu as vu l'autre voisin qui était là dans ce autre lit, il est mort. En partout, les déséquilibres vont vraiment. Tu te dis mais et moi mon malade, est-ce qu'un jour, c'est assez malade qu'il est dans le pays, mais nous le sommes bien. Et puis, vous les venez un matin. Le médecin vous dit que votre patient, votre parent est gay et il peut partir chez lui. Mais il ne va pas directement chez lui. On va le garder quelque part. Le temps qu'il puisse faire sa convalescence. Et cette convalescence, c'est là que nous sommes en train de faire. Pourquoi je fais cette comparaison ici dans la maison du Seigneur? Dans cette prison où le président Gbagbo et moi nous avons été, le président de Soudik est mort. Dans cette prison. Dans cette prison où le président Gbagbo et moi nous avons été, sous nos yeux, notre voisin avec qui on joue au ballon, il s'est suicidé. Il est mort. Dans cette prison, nous avons été, Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Dans cette prison, nous avons été, mon voisin, mon ami, a été condamné à 30 ans de prison. Un autre a été condamné à 14 ans de prison. L'autre à 12 ans. Même Jean-Pierre Véran, à
avant d'être acquitté en appel, a été condamné à 18 ans. C'est de ce voyage-là que le bilan va vouloir. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on a vu. Mais on sort de là. En sortant, j'ai fait cette promesse à Dieu. Je dis que j'avais un témoignage. Et c'est ce témoignage-là que je rends aujourd'hui. Une phrase pour laquelle on a voulu me condamner devant Dieu, je vais encore la répéter ici. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je l'ai prononcé en Côte d'Ivoire, je l'ai prononcé en plein procès et je voudrais la prononcer encore ici dans le monde. Et pour ne pas vous ennuyer, le dernier verset, le verset 6. Là, je reviendrai dans ma maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Je suis le Chers frères et sœurs, membres, mettons Dieu au centre de toutes nos actions. Ne crions pas justice, ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Tu cries justice et tu es injuste. Tu parles de changement. Tu veux juste remplacer un mal par ton mal à toi. C'est ça que nous voulons occuper. C'est pourquoi je voudrais, ici, devant le serviteur de Dieu, dire que je suis venu dans cette maison. Je dis que si j'ai été libéré de la prison, c'est parce que Dieu est là. Je ne connais pas les juges de ce pays. Je ne connais pas. Je ne connais personne à vous. Il y a quelqu'un à qui Dieu a prouvé ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un homme comme on dit. Ne doute de rien quand tu m'as avec toi. Amen. Je n'ai pas douté. Le Père Babou n'a pas douté non plus. Et nous sommes sortis de prison parce que Dieu l'a voulu. Je suis donc venu dans la maison ici pour rendre ce témoignage-là. Ce que vous faites, faites-le en mettant au centre de tout ce que vous faites.
Ne dites pas oui quand votre cœur crie non. Je le répète encore. Ne dites pas oui quand votre cœur crie non. Ne soutenez pas des causes que vous ne partagez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne faites pas semblant de ne pas voir. Dis non. Toujours est bien. Il y en a qui disent qu'on n'a jamais le choix. On a toujours le choix. On a le choix de la vérité. Et on en paye le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Pourquoi vous refusez de payer le prix? Prenez votre part. Prenez votre part que la vérité soit dans notre pays. Parce que la vérité n'est pas dans notre pays. On joue avec les nerfs de notre peuple. On dit une chose aujourd'hui, et le lendemain, on dit le contraire. Sans honte. Nous avons besoin d'un pays de valeur. Et c'est de la maison de l'Éternel que je parle. Parce que je vais respecter ce que j'ai dit. On n'est pas non davantage. Je voudrais. On dit que aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je vous le dis sincèrement. Parce que nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Je lui dis merci. Mais voyez-vous, lui confie aussi mes frères qui m'ont quitté brutalement. Mais vraiment brutalement. En moins de 2 mois, j'ai perdu tous les frères. Tout à l'heure, la sœur Diane a lu Job. C'est cela. Si le Seigneur m'a libéré et que j'étais content, si aussi mes frères et pas mes frères, je dois aussi lui rendre grâce et accepter. Louer, glorifier, et puis lui confier mes frères. Lui dire de les garder auprès. Pourquoi je ne passe pas trop de temps sur ça? Causer avec son frère dimanche. Tu es content parce que tu es allé à Paris. Et puis lundi soir, on te dit la mort. Causer avec un autre, un mercredi soir. Tu me dis appelle la presse parce que demain j'ai quelque chose à dire. Il t'appelle vers 22h pour dire j'ai fini d'appeler pour la presse. Le lendemain matin, on dit la mort. Ça peut être un fou. Mais tout cela, nous devons rester. Confie donc l'âme de mes frères, de ma soeur, de mon père, au Seigneur. Et je sais qu'il m'a donné beaucoup de frères et beaucoup de soeurs. C'est vous. Ce sont les Ivoiriens dans leur entièreté. Parce que je sais que vous m'aimez. Et moi aussi, je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en ces moments troubles, je voudrais aussi confier au Seigneur notre pays. Notre pays, c'est-à-dire pour une guerre. Notre pays qui va encore vers les temps troubles, parce que nous sommes à la veille d'élection. Que Dieu touche le cœur de nos hommes politiques, y compris moi-même, pour qu'on puisse discipliner nos ambitions politiques, pour qu'on puisse discipliner et maîtriser notre désir. Nous n'allons pas discipliner nos ambitions politiques. Personne. Moi, tu n'es rien. Vous pensez à la Côte d'Ivoire. Vous pensez aux Ivoiriens. Vous protégez les générations futures en leur léguant des institutions fortes. Quand l'Église est debout, c'est parce qu'elle a un pilier. Donne un pilier à la Côte d'Ivoire. C'est sur ce mot-là que je voudrais. Que ensemble, on se lève pour prier le nom de Père. Je ne suis pas le Père, je ne suis pas le prêtre. Je pense que c'est ça que moi j'ai pensé. Et ça devrait inspirer mon amour.
grâce pour accompagner vraiment ce témoignage édifiant. Bon, à cause de tout ce qu'il y a comme barrière sanitaire, pas trop exprimer un certain nombre de choses, mais enfin, pour ce dernier chant-là quand même, je pense que on peut vraiment rendre grâce. Voilà.
C'est le premier tirage qui avait été fait plus tôt lorsqu'il a fait la statue de Notre-Dame de la Délivrance. Alors, avec mes amis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette image-là? Il y en a deux. Il y a celle-là, qu'on va remettre au ministre Charles tout à l'heure. Et puis l'autre, notre souhait, c'est de remettre à qui tu sais. Donc, vraiment, au moment opportun. Au moment opportun, on n'a pas, après, besoin de faire publicité, même si on va en catimini, mais vraiment, l'autre, c'est de trouver une occasion pour lui remettre ça. Parce que je crois que,
Pajot, c'est vraiment cette image-là qu'il a voulu que la Côte d'Ivoire soit, qu'on soit débarrassé de toutes les chaînes et qu'on soit vraiment libre. Et il y a le public là comme ça, mais il y a derrière la prière. Nous sommes dans le mois de Marie, le mois d'octobre, et notre souhait est que aussi Marie, que notre maman, puisse te protéger, te garder jusque à la fin pour que tu accomplisses l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle Dieu vraiment t'a envoyé, t'a propulsé. Donc c'est vraiment Avant d'ajouter un petit quelque chose, quand, avant d'arriver le mercredi soir, quand je me demandais qu'est-ce que j'allais dire, dans mon songe, il y avait une dame qui veillait sur le ministre Charles. Et ce que je voulais dire, en parlant de cette mamie qui est mon fils, Bécondé, je vais lui transmettre le message. Et quand j'approchais, cette dame anticipait pour dire, ah, c'est pour la femme là qui a dit, ah, c'est pour dame qui meurt à cause de lui, il était triste. Et elle me dit, il a mal. Elle disait, Charles a mal à cause de cette personne qui pense à lui, qui meurt pour lui, qui voit sa souffrance. Il a mal pour ses parents, pour les humanités. Je dis, mais c'est quelle est cette femme? Et qui lui donnait à manger, quand on l'a vu, je dis, ben, c'est la vieille femme qui veille sur lui et qui sait qu'il a mal pour son père. Alors, apprenez à prier avec la vieille. N'oubliez pas mes jeunes frères, ok?
tu as posé les mains et puis. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu vous puisse. Lui qui est la source de toute grâce et